On va au quartier général de Bruno Le Maire où le candidat est en train de prendre la parole. L'immigration massive en fait un succès historique pour notre famille politique. Merci d'abord à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à son bon déroulement. Militants, assesseurs, présidents de bureaux de vote. Merci à la présidente de la Haute Autorité, Anne Levade, et au président du comité d'organisation, Thierry Solaire. Et surtout, un immense merci à toutes celles et à tous ceux qui ont voté pour moi. Bravo ! Nous avons fait le pari du renouveau. Une majorité de Françaises et de Français ont fait un autre choix. Je respecte ce choix. À tous mes soutiens, aux élus qui sont nombreux ce soir, à mes équipes exceptionnelles de dévouement et de professionnalisme. À tous les... À tous les jeunes qui ont animé mes déplacements, aux bénévoles, aux responsables locaux, aux militants, je veux dire ma profonde reconnaissance. Tout est né avec vous, tout continuera de grandir avec vous. Nous avons fait une belle campagne, une campagne généreuse, une campagne vivante, une campagne de terrain. Nous avons connu des moments inoubliables. Nous avons créé un lien indéfectible avec toutes les Françaises et tous les Français. Il sera notre force pour demain. Partout en France, en métropole comme dans les Outre-mer, dans les villes comme dans les campagnes, nous avons défendu avec enthousiasme nos convictions. La nécessité impérative de renouveler la classe politique. La volonté de réinventer notre école. La solidarité pour les plus fragiles. Le combat pour notre culture, pour notre langue, l'indépendance de notre nation. Nous avons parcouru un chemin exceptionnel depuis 2012 au service de ces convictions et ce chemin, nous continuerons à le tracer. Plus je parcours la France, plus je suis convaincu de la singularité et de la grandeur de notre nation. Plus je rencontre les Français, plus je mesure leur dignité et leur force face aux épreuves. Je veux dire aux Français que je ne connais pas de plus grand honneur que de les servir humblement et avec efficacité. Je veux dire aux Français que je me battrai pour que l'alternance ait lieu en 2017. Je veux plus que jamais être un acteur du rassemblement de ma famille politique. Bravo. Je voterai pour François Fillon au second tour de la primaire. Et je veux vous dire à tous que nous avons offert une belle image de la politique, honnête, droite et sans calcul. Nous avons tout donné. Nous avons livré un beau combat, un grand combat. Alors nous pouvons ce soir être fiers et nous pouvons être heureux. Merci à tous. Bravo.